Il est comme moi, là, quand il essaie de pogner des couleuvres, il est hyperactif. Alors, ce soir, gros spécial, on est dans un camping, dans un parc, au Manatee Springs State Park, où il y a des lamantins de temps en temps. Et qu'est-ce qui est génial pour nous, c'est qu'on a accès à l'électricité. On peut charger une couple de choses de façon plus efficace qu'en autonomie. Et on a aussi de l'eau courante. Remplir nos bouteilles d'eau. Qu'est-ce que c'est le fun? Donc on peut se permettre de faire un café instant le soir. On a de l'eau plus que d'habitude. Ouais. Une des joies d'avoir l'électricité, c'est qu'on peut transférer toutes les vidéos qui sont dans la caméra, les mettre dans l'ordinateur. Puis là, Jean-François, avec sa patience légendaire, il va donner un nom à chaque vidéo pour qu'on ait plus de facilité à faire le montage une fois rendu à la maison. On marche dans la forêt la nuit pour essayer de trouver d'autres bestioles qu'on n'aurait pas pu voir le jour. On a juste vu des chevreuils à date. Éclaire pas avec ta lampe, je vois rien. Éclaire pas avec ta lampe, s'il te plaît. Oh mon dieu, elle est grosse, hein? Mmh, une belle grosse punaise. Ouh, elle est vraiment grosse. Je vais chercher des pots d'insectes. La vois-tu? Ouais. Faut que je saute, merde. Vas-y. Elle est. Hey, c'est épouvantable. La blatte qu'on vient de capturer, son odeur, là, c'est du cyanure, c'est, ça brûle. Là. Je te jure, c'est épouvantable l'odeur de ça. Mauvaise nouvelle, la gang. Ce matin, 6 degrés. Pas 10, là, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est capable de monter jusque-là. On trouvait qu'il faisait froid, puis on était genre, voyons,
Il doit faire genre 15. On est donc bien moumoune, là. On est pas faisons moumoune. Des vrais Québécois de fait, nous. Il fait vraiment froid. Bon, on sait qu'au Québec, il fait moins 55, mais quand même, Non, on se plaint pas, hein, en passant. 6 degrés en Floride. On rigole de la situation. Oui. En prenant notre déjeuner. Hé, t'as donc bien jambes graffinées. Notre petite tournée de hier soir au bloc sanitaire sur les murs extérieurs nous a permis de trouver deux insectes. Donc, le premier, deux insectes puants, faut dire. Le premier, c'est une punaise. Là, ce matin, il fait tellement froid que ils sont engourdis par le foie, fait qu'on peut mieux les voir. C'est vraiment spectaculaire, là. Puis on leur rosse très, très allongé parce qu'ils se nourrissent du liquide. Et l'autre insecte, vraiment, qui pue encore plus que lui, parce que c'est leur moyen de défense de puer, c'est la blatte. La grosse blatte, j'ai sauté pour l'attraper. Oh, elle bouge un petit peu. Elle, c'était épouvantable, son odeur, là, c'était comme de l'acide. Ça brûlait, quand je sentais de même, là. Ça sentait ça encore un peu. Ça sentait fort, fort, là, une odeur... chimique. Ouais, c'est vraiment un aérosol... irritant. Ah, oh, mais regarde. Tu vois, regarde, il fait encore, il y a du liquide un peu. Ah, oh, ça sent fort, c'est ça. Oui. Dans la forêt, évidemment, on cherche, on se promène, on regarde partout, puis on lève beaucoup de troncs d'arbres. Il n'y a pas de pierre là, dans cette forêt-là, c'est vraiment juste des troncs d'arbres, des arbres qui sont morts par le feu souvent. Puis on trouve divers animaux, puis une des choses intéressantes qu'on a trouvées, c'est la grenouille de serre. Grenouille de serre, qui est une grenouille qui serait ici en Floride depuis environ 150 ans, qui serait introduite. Elle vient de Cuba et des Bahamas. Donc les gens pensent qu'elle est arrivée ici par les bateaux de marchandises. C'est vraiment une minuscule grenouille. Puis ce qui est spécial, c'est qu'on la trouve dans divers habitats, même proche des habitations humaines, dans les serres aussi, elle porte son nom, grenouille de serre. Et, tenez-vous bien, caractéristique spéciale de cette petite grenouille, c'est pas les deux lignes brunes qu'elle a sur le dos, que moi je trouve très belles, quoique elles sont pas toujours là, les lignes brunes, c'est le fait qu'elle n'a pas de têtard aquatique. Donc, elle pond des œufs en milieu terrestre, puis le têtard se développe rapidement dans l'œuf, puis c'est une petite grenouille qui sort de l'œuf, une petite grenouille déjà formée. Une grenouille, un bébé grenouille de serre. Et comme ça, ça lui offre un avantage sur les autres grenouilles. En fait, on l'appelle grenouille, mais c'est pas une vraie grenouille, c'est dans une famille complètement différente. Ni grenouille, ni crapaud, ni rainette. Une autre famille. Eleutherodactyloidae, je crois. Pourquoi ils donnent des noms comme ça? C'est incroyable. Donc, c'est déjà notre deuxième jour ici à Manatee Springs State Park. Puis on s'est quand même promené pas mal. Vous avez peut-être vu sur nos images, là, on voit il y a beaucoup d'arbres, surtout des pins, qui sont brûlés dans le bas. On a même vu un pin qui a été frappé par la foudre et qui avait une longue, longue, longue cicatrice tout le long du pin. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis ça ici, c'est quelque chose d'important pour les forêts, c'est les feux. Donc, soit les feux qui sont partis grâce à la foudre, mais aussi, il y a des équipes qui s'occupent de la forêt, là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir des feux chaque deux ou trois ans, mais des feux contrôlés par secteur. Puis ça, c'est super important parce que ça va brûler le sous-bois, puis ça va garder en vie les pins parce qu'ils sont super résistants au feu. Puis c'est une façon de s'assurer que les pins vont survivre parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que la régénération de la forêt, là, qui est composée de chênes puis d'autres essences de bois, elle va prendre le dessus, les pins vont mourir puis vont disparaître. Fait que les feux, c'est vraiment une façon là, de conserver les beaux grands pins qui ont comme un cachet là, pour la région aussi.
Les pins sont vraiment majestueux, là. Ils sont très, très grands et c'est vraiment incroyable. On a vu aussi l'arbre emblème de la Floride, le cabbage palm. Je sais pas si on l'appelle le palmier chou. Et un autre, ça, stiletto, un affaire de même. En tout cas, il y a le mot si. Il y a ça aussi, il y en a beaucoup. Ça vient pas très haut. Puis c'est un beau vert, là, vraiment flash. On a vu aussi des magnolias. Les feuilles sont vertes foncées, sont vraiment très grandes. Là, on n'est pas dans la bonne période pour les voir en fleurs, là, mais il paraît que c'est magnifique quand ils sont en fleurs. Peut-être qu'on va revenir une autre fois pour voir ça. Et donc, nous quittons le Manatee Spring Spark Reserve Natural Spark. Forest. Mon anglais s'améliore quand même, il faut bien le dire, grâce à ce voyage. En direction d'un autre bel endroit que Myriam nous a localisé sur une carte, dans son GPS.